L'entraîneur du Celtic sous le feu des projecteurs pour une conférence de presse très attendue. Car Neil Lennon est sous pression presque au bord de la démission. Son équipe est seulement troisième du championnat écossais et il doit composer avec de nombreux blessés. Attention, danger. Il faut que l'on défende mieux. J'ai vu le match de Rennes contre Lorient et j'ai été très impressionné par le jeu offensif de cette équipe. Mais nous avons aussi des arguments avec de jeunes joueurs qui progressent dans l'équipe du Celtic et ils devraient poser des problèmes aux joueurs du Stade Rennais. Propos rassurants de l'entraîneur et sur le terrain des joueurs du Celtic qui semblent relativement sereins. Fausse apparence, probablement, car du côté des journalistes écossais, le moral est loin d'être au beau fixe. Je pense que Rennes sont une équipe qui a les résultats positifs dans la Ligue, mais à ce moment, c'est un moment difficile pour le Celtic et je pense que Rennes, ce serait la meilleure équipe. Et face aux incertitudes écossaises, des Rennais qui ont effectué hier tranquillement leur dernier entraînement. La confiance est de mise, plutôt bon signe, car les Rouges et Noirs n'ont pas le choix. Il faut gagner pour poursuivre la route en Europa League, pourvu qu'il n'y ait pas de douche écossaise ce soir sur le stade de la Route de l'Orient.